revois. Et là, cette fois, c'était pas sur le match, c'est pour autre chose. J'avais un petit problème. Et on en était à tourmente plus facilement leur ennemi. Enfin, mais c'est pourtant si amusant de jouer au football. Sa tête, on dirait même pas qu'il poche la tête, quoi. On dirait carrément qu'elle est, que c'est un ballon. Pourquoi vous me mettez un carré sur Faye? Ah ok, c'est la qualité. Oui, le football est le meilleur des sports. Et je sais que des tas de gens à travers le monde sont d'accord avec moi. Pour ça, je suis venue. C'est pour ça que je suis venue pour tous les gens. Que je suis venue ici pour tous les gens. Mais pourquoi toi, Faye? Le futur est plein de gens comme toi, Arion. Animé par une véritable passion pour le football. M'arrêter de me mettre les trucs sur Faye, j'en ai marre. Je ne veux pas perdre le football, moi non plus. Tu as fait ce voyage pour m'aider. Oui, et ensemble, nous allons sauver le football. Merci, Faye. C'est pas comme ça. La première étape va être de remettre ton club de foot sur pied. Et pour ce faire, nous allons devoir retourner là où tout a commencé. C'est-à-dire, il y a 11 ans, quand Mark Evans a créé le club de football. Non, pitié! Tu es sérieux? On va remonter à l'époque du coach Evans. Elle est... Coach Evans, où le coach Evans était... un élève de Raymond. C'est ça. La disparition du club de foot a été causée par une déviation temporale dans le passé. Tu te souviens de ce que je t'expliquais pour tout à l'heure? Quand quelqu'un influe sur le cours du temps, tous les mondes parallèles sont créés. Des mondes parallèles. Dans notre cas, le protocole Omega cause une déviation à un certain point. Dans le passé... pour modifier la suite des événements et faire une sorte que le club de foot ne soit jamais créé. Exactement, c'est pour ça que nous devons remonter le temps et annuler cette déviation. Ok, je comprends maintenant. Yeah, on va voler du piquant. Je veux la barrette. Oui. Oh, l'image des duplicants. C'est tellement bien fait. Et en plus, regardez, il y a Faye. Et en plus, c'est tellement bien fait que regardez, on les voit là. Ils apparaissent clairement et là, on le voit. Leurs pieds disparaissent ou alors ils sont en train de se créer, je sais pas. Là, on a carrément l'équipe, quoi. Bien, alors tout est réglé. Prenez place dans le transporteur temporel, les enfants. Arrêtez de nous appeler les enfants, d'accord, on est au lycée, mais c'est pas une raison. Vous avez maintenant accès à l'option stratégie dans le menu. Inventaire maillot et inventaire inclusion. Empruntez le transporteur temporel. Eh ben attendez, moi je veux changer mon équipe, voilà, parce que j'ai une équipe de merde. Par contre, Faye, pourquoi tu n'as pas la tenue? Non, pourquoi Arion a cette tenue? Bon, c'est pas grave. Barrette et qui permuté, j'ai dit. Chétif, j'aime pas chétif. Je garde Faye, mais il n'y a pas mon joueur préféré pour l'instant. Pitié, il va nous suivre dans toute l'aventure, je le sais. En plus, on l'a vu dès le début. Ricardo, ouais, voilà, c'est ça. Il y a Ricardo, après il va le voir à l'autre. Ce bus, c'est une machine à remonter dans le temps? Oui, pour être précis, c'est un appareil de déplacement spatio-temporel qui tire parti des passages interdimensionnels pour des fonctions. Fonctionner. Pour fonctionner. J'ai mis au point cette merveille moi-même. En inspirant du dessin
indémodable de la caravane Inazuma. Donc en fait, vous allez nous conduire à travers le temps. C'est ça, mais on ne peut pas simplement se rendre à une époque donnée. Il nous faut une sorte de guide pour nous y amener. Plus exactement, il nous faut une relique. Cette relique doit refléter l'essence du lieu et de l'époque où l'on souhaite se rendre. Sans relique, il nous est impossible d'ouvrir un passage interdimensionnel et donc de voyager dans le temps. Et je vois. Et donc, de quoi avons-nous besoin pour nous rendre à l'époque où le coach Evans a créé le club? C'est une bonne question. Quelque chose qui serait imprégné de l'essence de cette époque. Pourquoi il croise les bras? Je sais, allons jeter un œil dans l'ancien local du club. Le coach Evans est passé. Il y a passé beaucoup de temps. On devrait trouver quelque chose. Quel wonder! Bonne idée! Wonder! Mais pourquoi il dit wonder? Enfin bref. Retournons à l'époque d'Arion pour trouver notre relique. J'aime bien parce que c'est un arc-en-ciel. Non, je blague. J'aime pas les arc-en-ciel. Collège de Raymond de nos jours. Mais ce sont les anciens du club de Raymond. Vous savez, c'est notre équipe, là. La deuxième équipe. D'où tu sors, toi? T'es qui, d'abord? Ah! Début de la phase 1. Ce mec, là. Attendez, j'arrive pas à vous le montrer. Je vais vous le montrer doucement. Lui, où il est? Attendez, il est là. Lui, il me fait penser à quelqu'un. J'en suis sûre que je le connais, mais qui? Je sais pas. Vous allez coopérer. Mode contrôle mental. Ah, il y avait le ballon depuis le début, j'avais pas vu. Nous y voilà. Tu as vu ça revenir à ton époque et un jeu d'enfant? Ne perdons pas de temps. Arion, amène-nous à l'ancien local du club de foot. Allez dans l'ancien local du club. Mais en fait, pourquoi est-ce qu'il faut obligatoirement passer par là? On peut très bien passer par là où il y a ce point, là, bleu. Ouais, bah c'est un escalier, on le voit pas. Mais bon. Il y a un escalier, je vais vous montrer, voilà. Mais par contre, je fais un petit tour. Oh non, il y a un coffre. Je l'ouvre, allez, hop, je l'ouvre. C'est les photos que je ferai pas. Là, par contre, les photos, je suis désolée pour ceux qui voulaient que je les fasse. Mais je ferai pas. C'est bizarre, cet uniforme. Je pense qu'il y a l'uniforme qui fait un peu penser à Yann Dresmata. C'est fermé à clé. Okay. Juste comme ça, quoi. Juste celui de Sky m'a fait, dans Galaxy, m'a fait penser à celui de Yann Dresmata. Version avec une sorte de pull. En fait, t'as la jupe et il y a des traits quoi dessus. Il y a un trait rouge, je crois. Ouais, c'est ça, il y a un trait rouge à la fin. Ça m'a fait grave penser à Yandere Simulator. Laissez-nous passer! Arion, cher Wind. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Le football est souffrance. Éradiquer souffrance. Éradiquer football. Je l'ai fait clairement contre un robot. Oh, mais oui, voilà, c'est Tom, le mec aux oreilles de chat. Tom, qui veut dire Tom et Jerry. Non, je sais pas, moi je me dis Tom. Ils l'ont appelé Tom parce que ça, c'est pour Tom et Jerry, peut-être. Non, je sais pas, c'est complètement débile ce que je viens de dire, mais bon. C'est trop compliqué. Hop.
oubliez, laissez passer. Oh, excusez-moi. Excusez-moi d'avoir chanté. Parce que j'entends de la musique et... Et c'est Maître Gims, ça a laissé passer. Et... Je sais pas, peut-être que Maître Gims est démodé. Enfin, je sais pas, moi je fais pas attention à la musique. Et je connais plein de mes exploits sur ma chaîne et j'ai fait des playlists musique. C'est pour ça que j'ai fait des playlists français, playlists musique anglaise. Il y a des musiques. Je crois qu'il y en a qui les ont jamais entendues. En tout cas, mes parents, ils ont jamais entendu parler de ces musiques. Ceux de mon école aussi. Donc voilà. Hein? Où nous sommes? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je veux Tom, moi! On peut pas voir Tom. Je pense qu'il devait être sous l'emprise du protocole Omega. Je sais pas si vous entendez la musique, mais moi je l'entends, elle est géniale. Quoi, mais pourquoi le protocole Omega ferait-il une chose pareille? Enfin, afin d'utiliser le football pour nous détruire, tout simplement. Il est plus facile pour eux de forcer les gens de cette époque à nous attaquer plutôt que de changer le cours du temps. Dans le pire des cas, le protocole Omega pourrait bien réussir à contrôler ton esprit. Si jamais tu perdais un défi, fais attention. Ça n'arrivera pas. Bien. Retournons à nos moutons. À nos moutons. Nous sommes ici pour retrouver une relique dans ce local. Il est temps de se mettre au travail. On va continuer ça dans le prochain épisode.